Chers amis, j'espère que vous allez bien. Ouais, désolé de vous l'annoncer aussi frontalement, mais je m'apprête à tenter de dessiner tous les drapeaux du monde de mémoire. Donc voilà, je ne vous dois aucune autre explication et on commence directement par. Par l'Europe, parce que c'est comme ça. Donc, vous pouvez admirer ce superbe document concocté par mes soins. Je vous ai épargné ça, hein, je suis pas cruel à ce point. Mais nous allons commencer donc avec, pas des moindres, l'Albanie. Donc l'Albanie, rien de bien fou. Enfin, il est très joli, hein, mais rien de bien compliqué. C'est fond rouge. Hop. Bon, je déborde, hein. Vous me pardonnerez, j'ai quand même essayé de pas faire un truc trop dégueulasse. Et pendant que je dessine, je vais un peu expliquer les règles. Donc le but, c'est quand même d'arriver au résultat le plus proche possible. Donc il va y avoir à chaque fois, bon là, je pensais déjà le cas au montage, mais à chaque fois, je mettrai une en bas à droite, je pense, le tableau, le drapeau véritable, qu'évidemment je n'ai pas sous les yeux à l'heure actuelle. Mais donc les petites poses à deux têtes là qui ressemblent à peu près à. Enfin, pas non plus. Enfin, l'idée est là quoi. Et aussi, je pense que je vais faire un système de score. Genre, si vraiment le tableau est exactement comme dans mes souvenirs, vraiment impeccable, bon, ce sera genre plus 2 points. Si l'idée est là, mais que c'est pas tout à fait correct, mais qu'on voit que j'avais quand même un peu le drapeau en tête, on n'a qu'à dire que c'est 1 point. Quand c'est vraiment. Quand ça commence vraiment à pas trop être là. Oh merde, j'ai donné un uppercut à mon micro, pardon. Quand je disais quand c'est pas tout. Quand c'est vraiment. Quand, oh putain, je suis ivre. Quand on commence à un peu trop s'en éloigner, on n'a qu'à dire que ça change rien, c'est zéro. Et quand vraiment je suis à côté de la plaque, on n'a qu'à dire que c'est moins 1. Donc sachant qu'il y a en tout, bon, en fonction de votre orientation politique, le nombre de pays dans le monde, il varie. Là, je crois que sur le document, en tout, il y en a 200 et quelques, je crois. Donc ça me fera un score sur 200, on n'a qu'à dire. Bah non, pas sur 200. Le score maximal serait du coup 400 et quelques, dans le cas improbable où je réussis tout à la perfection. Puis après, ben, ça me ferait une note et puis vous pourrez. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Au secours. Donc, Allemagne. Bon, pour l'instant, c'est un peu difficulté débutant. Hein. L'Europe, je pense, ça va être le plus facile. Moi, je peux peut-être faire des pronostics, ça va être marrant. Je pense que l'Europe se déroulera sans trop d'accrocs, à part peut-être quelques pays. L'Amérique que j'ai regroupée sous le. J'ai regroupé Nord et Sud sous le même continent, hein, parce que voilà. Ça, pareil, ça devrait pas être trop compliqué non plus. À part peut-être dans les Caraïbes, les îles à la con, là, que personne ne connaît ou personne ne vit dessus. Là, ça sera peut-être un peu plus compliqué. L'Asie, ça devrait être dans l'ensemble. L'Océanie sera beaucoup plus court, évidemment, mais ça devrait aller aussi, je pense. Oh non, beaucoup trop fluo. Par contre, c'est vraiment l'Afrique où ça va être un massacre. Hein. Je vous préviens, l'Afrique, ça va pas être beau à voir. Ouais, entre le Mali, la Guinée, le Sénégal et tous ces pays qui ont tous les mêmes couleurs, mais pas dans le même ordre, ça va être. Ça va être un bon cassage de gueule, je le sens, mais bon, on est un peu là pour ça, sinon la vidéo n'aurait pas grand intérêt. Donc, Andorre, bon, là, c'est là où je commence vraiment à avoir des doutes sur ce que je suis en train de faire. Andorre, c'est des barres verticales, mais lesquelles? Bon, c'est du jaune au milieu, hein, je pense, parce que au milieu, il y a un symbole qui. Ouais, ça, j'ai. Je sais pas trop comment je vais établir les règles par rapport à ça, mais au niveau des symboles, parce que clairement, genre l'Espagne, typiquement, ça, je vais pas m'amuser à. Ça va être impossible que je puisse dessiner à l'exacte copie les symboles qu'il y a dessus. Donc, si le symbole est là, qu'on voit que globalement c'est ça,
Je pense que les 2 points, je peux me les attribuer sans trop chouiner, je pense. Pour là, les 2 points, je les aurais pas, hein. Même avec le symbole, j'ai aucune idée c'est quoi les couleurs là, de part et d'autre. Rouge et bleu. Rouge et. Il y a du rouge, de sûr. Rouge et. Non, pas vert. C'est trop bizarre. Rouge, jaune, bleu. C'est peut-être rouge, jaune, bleu. Ah non, ça fait bizarre. Non, c'est sûrement pas ça. Après, je vais pas non plus débattre avec moi-même 5 minutes par drapeau, sinon la vidéo durera bien trop longtemps. Non, c'est la putain de Roumanie, ça. C'est la Roumanie à l'envers. Ça peut pas être ça. Non, mais. Non, ça m'énerve par contre. Andorre, c'est quand même pas le bout du monde, quoi. C'est quoi les couleurs? Bon, en tout cas, au milieu. Il y a un blason à la con, comme ça, il y a je sais pas quoi dessus. Je crois qu'il y a un oiseau à la con derrière. Des jolies pattes, une jolie tête, un joli bec, comme ça, voilà. L'oiseau, c'est magnifique. Puis il est genre segmenté avec des dessins dessus, comme ça, hop, voilà, des zizi partout. Voilà, c'est Andorre. Là, maintenant que l'oiseau est là, c'est peut-être pas si faux que ça. Bref, passons à l'Autriche. Bon, je rattrape, ça me permet un peu de rattraper le temps perdu. Voilà. Blanc et rouge. Bon, vous me pardonnerez, hein, je vais pas non plus faire un chef-d'œuvre à chaque fois. Belgique. Attends, dans quel sens c'est? Noir à droite, ouais. Après, du coup, c'est rouge tout à gauche. Je crois. Putain, non, par contre, si je me trompe de sens, c'est vraiment cringe. Oh putain, je sens le cringe arriver là. C'est ça ou c'est pas ça? Je vais faire un petit chemin à côté là pour voir lequel des deux sonne le mieux. Oh putain, j'ai aucune idée. Quoique, non, si c'est quand même celui du dessus. Ouais, c'est celui du dessus. Quoique. Oh, je sais pas, au secours, je sais pas du tout. Non, instinctivement là, je ferme les yeux et tout, je pense à autre chose, un truc qui n'a rien à voir, je pense à un chat mort. Je me vide la tête, je regarde ça, hop! Non, c'est celui du dessus, c'est celui du dessus. Y a aucun doute. Y a aucun doute. Oui, clairement. Non, 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 c'est. Direct, c'est mieux. Oui, il y avait aucun doute. Non, c'est ça, c'est ça. Bon, là, les ennuis commencent. Quoique, il est pas trop compliqué celui-là. Il y a genre une. Il a une structure un peu bizarre, il y a une bande blanche à côté avec des espèces de. Avec une connerie à côté, là, comme ça. Et puis après, il y a ces rouges et verts. Il y a un petit déséquilibre, il y a une bande qui est plus épaisse que l'autre, mais laquelle? Je crois que c'est la rouge qui est plus grande. Voilà, comme ça. Ouais, non, je crois que c'est ça. Je crois qu'on est assez bon. Ouais. Bosnie nous avoue un sublime bleu marin. Bleu royal. Avec un magnifique triangle qui vient pourfendre par le dessus, comme ça. Je sais pas s'il atteint le bas. Je crois pas qu'il atteint le bas. Je crois qu'il flotte un peu dans le vide, comme ça. Puis il y a genre des étoiles, comme ça, là. Bon, voilà, ce sont des étoiles. Hein. Faut plisser les yeux et regarder à côté pour les imaginer, mais ce sont des étoiles. Je sais pas combien il y en a, on s'en fout, l'idée est là. Hein. Non, il y en a que de ce côté-là. Je crois pas qu'il y en ait là. Non, non, ça fait trop. Non, il n'y en a pas là. Bulgarie, bon. Alors, c'est quoi? C'est blanc, rouge, vert. Blanc, vert, rouge. Bon, le blanc est au-dessus, de sûr. Quoique, il est en bas. Je suis un peu au pif, là. J'ai vraiment un doute sur l'ordre des couleurs. Les couleurs, je suis sûr que c'est celle-là, mais. Mais l'ordre. Ça peut être ça. Alors, ouais, on a qu'à dire que c'est ça. Oh, putain. Bon, bleu, blanc, rouge, hein, comme tous les pays d'Europe. Dans quel ordre? Je crois que bon, le blanc est au milieu. Le rouge est en bas. Et le bleu au-dessus, je crois. Bon, ça me fait au moins un point. Hein, parce que l'idée est là. Bon, je pense que si les couleurs sont là, mais pas vraiment dans le bon ordre, et puis qu'il y a un symbole au milieu que j'ai compris, mais que j'ai évidemment pas à 100% en tête, je pense que c'est un point, quoi. Mais non, c'est pas ça. C'est pas. Non, c'est pas ça, c'est dans l'autre sens. Et là, soudainement, les Pays-Bas. Voilà. Depuis tout ce temps, la Croatie n'était que les Pays-Bas déguisés. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, le blanc est au-dessus par hasard? Oh, je suis insupportable. La vidéo va être irregardable. Admettons que le blanc soit au-dessus.
Et la Russie. Oh, j'en sais rien. Vous savez quoi? On va faire comme j'avais fait au début, instinctivement, parce que c'est souvent les premières idées qui sont les plus justes. Le rouge en bas, voilà. Pff, allez, hop, c'est du rose même, on s'en fout. Hop, le bleu là, puis au milieu, il y a un blason de ces morts que personne ne connaît, même pas les Croates. Il y a un quadrillage, je crois. Il doit être en plein milieu. Ah! Je sais pas dessiner. Hop, tac, 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 tac. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, je sais même pas faire de carré. Allez, s'il vous plaît, on se concentre. Et puis je crois qu'il y a des petits blasons à la con qui se superposent par-dessus, là. Il y a des trucs dessus qui glissent même pas. Voilà, ça fait un sachet de frites. Ah, la Croatie, voilà, globalement, la Croatie, c'est ça. Bref, ligne suivante. Le Danemark, bon, voilà. Voilà, petite baisse de difficulté qui fait plaisir à tout le monde. Je crois que le Danemark, c'est d'ailleurs le plus vieux drapeau du monde. J'ai peut-être une connerie, mais je crois que. Voilà, le Danemark, magnifique. Bon, l'Espagne, hein, comme j'avais dit avant, on va pas. Je pourrais limite me limiter à ça, hein, parce qu'une fois sur deux, c'est comme ça qu'on le dessine, le drapeau de l'Espagne. Mais parce que je suis quand même un mec sympa, ben, on va quand même faire un effort de dessiner, genre, les deux piliers avec au milieu un blason. Puis il y a, genre, un truc qui explose, je sais pas. Voilà. Bon, voilà. Deux points, je le dis, hein. Pff, noir, bleu, blanc. Ouais, je crois que le noir est au milieu. Ouais, le noir est au milieu. Est un bleu bien foncé, là. Je crois que c'est ça. Bon, les couleurs, c'est ça de sûr, hein, mais l'ordre. L'ordre. J'ai un poté doute. Non, allez, hop, c'est ça. On enchaîne, on enchaîne. La Finlande, hop, les yeux fermés, à une main en faisant le poirier. Voilà, hop. La Finlande, c'est tout pour moi. Voilà. Donc, la Grèce, bleu et blanc. Va juste falloir que je me gourre pas sur le nombre de rayures. Oh, putain, il y en a combien? Il y en a trop, de toute façon, il y en a trop. De toute façon, la Grèce est toujours dans l'excès. Je crois que le nombre de rayures correspond au nombre de syllabes qu'il y a dans la devise du pays. À prendre avec des pincettes, mais je crois que c'est ça. Il y en a plein. Il y en a genre 9, je crois. J'ai ce nombre-là en tête, je sais pas pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça doit être ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je crois que c'est ça. Au pixel près, je crois que c'est ça. C'est exactement ça, le drapeau de la Grèce. Aucune erreur. Bon, la Hongrie, c'est un peu l'Italie à l'envers. Vert, blanc, rouge. Bon, le blanc est au milieu de sûr. Après, qui du rouge ou du vert est dominant dans le couple? Ça. Bah, je vais faire comme avant avec la Belgique. Hein. Je vais faire. Oh putain, les deux sont bien. Les deux font très hongrois. Mais je crois que c'est comme celui à droite. J'en sais foutrement rien. Mais je crois que c'est celui à droite. Je sais plus ce que t'es à droite. Ok, rouge en haut. Et vert. Voilà. La Hongrie, joli tout plein. Irlande, vert, blanc, orange. Ouais, à ne pas confondre avec la Côte d'Ivoire, où c'est l'inverse. Mais là, ouais, c'est cet ordre-là. Je crois que c'est le premier orange qu'on ajoute, donc c'est un moment historique. Islande, voilà. Là, on va commencer à s'embrouiller. Entre Islande, Norvège, tout ça. Je suis infaillible. Croix rouge. Je sais pas si elle est centrée ou si elle est vraie ou si elle est un peu décalée. Croix rouge, bordure blanche et fond bleu. l'Islande. Italie. Italie, Italie. Grand pays importateur de quenouilles, il me semble. Vert, blanc, rouge, ouais. Voilà. Vert, blanc, rouge. Voilà. Parfait. Le Kosovo, bon, il y a débat sur le Kosovo, moi je le mets parce que c'est un nom rigolo, mais tout le monde ne le considère pas comme un pays. Donc fond bleu. Voilà. Ensuite au milieu, il y a la forme du pays en jaune. Pff, ça ressemble à ça globalement. Il y a une espèce de forme. Voilà, bon, on n'a qu'à faire un Pringles, symbole national du Kosovo.
Et t'as des étoiles. Je sais pas si elles sont blanches ou jaunes. Je crois qu'elles sont blanches. Ouais, elles doivent être blanches. Il y en a je sais pas combien. Voilà, l'idée est là. Lettonie, très particulier comme couleur. Mais j'aime bien. Espèce de... Ouais, de rouge en décomposition comme ça. Avec un petit, petit liseré blanc au milieu. Voilà. Le Liechtenstein. Bleu, rouge et une toute mignonne beauté de couronne comme ça, hop, voilà. Lituanie, bon, voilà. Là c'est le drapeau qui commence à m'énerver parce que les drapeaux qu'ils utilisent, rouge, jaune, vert, indiscernable, indiscernable. C'est horizontal dessus, voilà, c'est un début, mais l'ordre, je vais faire au pif clairement parce que j'en ai aucune idée. Je vais être honnête avec vous. Parce que voilà quoi. Dans la vie, parfois, on a des doutes et puis il faut pas hésiter à. Voilà, c'est peut-être la Bolivie, j'en sais rien. Peut-être accidentellement la Bolivie. Luxembourg. Petit bleu ciel. Blanc au milieu. Et puis du rouge. Voilà. La Macédoine, le drapeau qui explose littéralement à la gueule. Non, je vais quand même d'abord faire le fond rouge, soyons logiques. Hop, bon, combien de rayons y a-t-il? Ah, et là, je fais le logo nucléaire. Il y a sûrement pas exactement ce nombre-là de. C'est pas très beau. Ouais, c'est pas très beau. Malte, on divise, on égalise, tourner, on tourne, rouge, et tac-tac, voilà, Malte. Moldavie, oh putain. J'en ai lâché mon stylo. La Moldavie. Oh, je suis navré d'avance. Il y a un logo au milieu. Donc le milieu est sûrement jaune pour que le logo soit visible. Bleu, vert, rouge. Fuchsia, taupe, ocre, vermillon. Je ne sais pas. Bleu, vert, ça me semble super bizarre. Non, 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 bleu, vert, ça n'existe pas, ça. Non, ça a aucun sens. Il n'y a aucun drapeau qui est comme ça, non. Rouge. Mais ça c'est la Roumanie de ses morts ça. Oh allez, je m'en fous, de toute façon la Moldavie, voilà quoi, ils ont qu'à pas trop se la ramener. Il y a un symbole, je sais pas ce que c'est, voilà, il y a des trucs, voilà, il y a des fleurs, il y a des cœurs, voilà, c'est la Moldavie. Hop. Monaco. Bon, clairement, hein, grosse panne d'inspi Monaco. Hop. Voilà. Au suivant, Monténégro. Fond rouge. Ensuite, petite bordure orange qui nous régale les mirettes. Très joli comme drapeau, hein, je tiens à préciser. Le vrai drapeau, tout comme celui que je suis en train de faire, hein, les deux sont sublimes. Surtout le mien en fait. Il est bien plus beau que l'original. Vous pouvez vérifier. Puis encore ce sempiternel oiseau à deux têtes que personne ne sait dessiner. Hop, je sais pas ce que je fais. Norvège, bon, c'est l'Islande à l'envers. Donc, oula. Quand même, un drapeau que j'ai dessiné, je peux me permettre d'un peu me faire chier quand même, hein, sur la rigueur scientifique. Et fond rouge, voilà. Bon, les Pays-Bas, clairement, ils ont copié sur le voisin. Hop, hop. Je crois que les couleurs sont très proches, j'ai pas fait gaffe, mais je crois que les couleurs, c'est exactement ça. Pologne, panne d'inspi, une fois de plus, comme Monaco. Hein. Non seulement ils étaient en panne d'inspi, mais en plus, ils l'ont juste mis à l'envers, voilà. Le Portugal, bon, drapeau emblématique, mais à ce souvenir, c'est un peu vert, grande partie rouge, à moins que ce soit l'inverse, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais pas. On va quand même faire un rouge plus joli, hein. Et au milieu, t'as un symbole incompréhensible avec un bretzel. Avec des ronds comme ça, des ronds partout, voilà. Voilà, le Portugal. Ah là, je crois qu'on s'aventure dans des terrains un peu plus audacieux puisque nous avons un triangle. C'est une première. Je crois que c'est ça. À moins que le blanc soit en dessous. Non, c'est ça. Aucun doute. Roumanie, on l'a fait 18 fois, j'ai l'impression déjà. Bleu. Le Royaume-Uni, bon, on va s'amuser. Hop. Oh, j'aurais dû faire le fond bleu d'abord. Je suis vraiment un cornio. Hop. Une jolie croix rouge. Une autre jolie croix rouge. Bon, voilà, c'est vraiment
en pleurer de bonheur. Et pour les liserés blancs, vous m'excuserez, mais j'ai pas que ça à foutre. Il y en a qui se superposent, il y en a d'autres qui se superposent pas. Je sais pas, allez, on va tous les faire, comme ça, y a pas de jaloux. Voilà, Royaume-Uni. Russie. Blanc, bleu, rouge, mais je sais jamais dans quel ordre. Je crois que le blanc est tout seul. Le blanc est à une extrémité. Je crois que c'est comme ça, avec le rouge en dessous, là. Ouais, bon, allez, juste pour le professionnalisme. Ça donne quoi, ça? Pff, non, c'est pas ça. Saint-Marin, il y a encore un symbole chiant. Je sais même pas ce que c'est le symbole. Je crois qu'il y a une couronne au milieu, comme un symbole sur deux. Avec des lauriers, il me semble. Voilà, des lauriers qui font ouah. Avec au milieu une couronne qui fait ouah. Voilà, et puis il y a du sang qui coule et tout, ça bave. Voilà, Saint-Marin, Serbie. Bon, là, vous commencez à m'ennuyer un peu, hein. Je vous avoue. La Serbie. Le blanc est au-dessus, je crois. Rouge au milieu. Blanc en bas. Avec un éternel blason. Qui est assez allongé, je crois. Avec encore un oiseau. Je sais pas ce qu'ils ont avec les oiseaux et les blasons, mais il va falloir se calmer, quoi. Slovaquie. Je crois que c'est le bleu qui est au milieu. Pour une fois. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Mais je crois que c'est ça. Ouais, ça me semble mieux. Puis là, il y a. Hop, un drapeau. N'importe quoi. Il y a une croix là, l'espèce de croix de Lorraine comme ça. Oh bon, allez hop, on dit que c'est ça. La Slovénie, c'est pareil, mais avec un blason un peu plus timide. On approche de la fin. Hein. J'en ai marre de l'Europe. Oh, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous me demandez ça en même temps? Quelle idée de faire ça aussi? Non mais. Faudrait vous écouter parfois. Hein. C'est pas du tout ça. Je le sais, c'est pas du tout ça. Mais bon, on s'en fout. Je sais qu'il y a trois montagnes. Avec. Non, je crois qu'elles sont blanches, les montagnes. Pff, on dirait trois mecs qui s'alignent. Ouais. Non, il y a du bleu qui manque. Dit-il en mettant du noir. Hein. Pff, voilà, je précise. Non, parce que c'est du bleu, c'est moche. Là. Oh, pff, allez, on peut laisser comme ça. Hein. La Slovénie, de toute façon, ça n'existe pas. Oula, j'ai un bug là soudainement. La Slovénie m'a complètement achevé. Merde. Non, c'est bon. Rassurez-vous, rassurez-vous. Fond bleu, croix jaune. Voilà, je suis de retour. Vous inquiétez pas. La Suède, la Suisse. Bon, la Suisse c'est un format carré, donc là quand même petit droit de veto parce que le format carré est quand même assez important. Oui, parce que les formats, je les respecte pas. Hein. Y a pas deux drapeaux qui ont le même format. Je suis pas ravagé au point d'apprendre les formats par cœur. Apprendre les drapeaux, c'est déjà suffisamment inquiétant. Voilà. Hop. Tac, tac. Voilà. Ukraine, ouais. Là, on est un peu en vacances. Hein. Le ciel bleu au-dessus des champs jaunes. Je crois que c'est ça la signification du drapeau. C'est vraiment le ciel au-dessus des champs. Et pour finir, voilà. Le Vatican qui fait son malin. Voilà. Format carré. Pays la taille d'un appart, drapeau beaucoup trop compliqué par rapport à ce qu'il a le droit d'être compliqué. Je ne sais plus dans quel ordre mettre les mots dans ma phrase. Et puis un symbole avec des clés qui se battent. Voilà, avec des bannières qui ah non, du rouge, s'il vous plaît, quand même. Voilà, je ne sais pas. Mais il y a des clés dessus, hein. Mais il y a des drapeaux, des bannières qui font waouh et tout. Ouais, c'est le Vatican. Bon, mais du coup, l'Europe, c'est fini. C'est bouleversant, de beauté. Donc là, j'ai le choix entre soit aller massacrer l'Asie ou massacrer l'Afrique. C'est selon mon humeur. Mais je pense que je vais faire une pause de mon côté parce que sinon, ma santé est compromise. Donc, ça me laissera le temps de voir lequel j'ai envie de massacrer en premier. Voilà, on se retrouve bah tout de suite. Re les je sais pas ce que vous êtes. Mais en tout cas, ma décision est prise, c'est vers l'Asie que nous brandissons notre épée. Bon, l'Afghanistan. Alors, Afghanistan, bon, je règle mes paramètres. Rayure nord à droite, il me semble. À gauche, voilà. Je commence déjà par confondre ma droite et ma gauche.
Ah oui, après c'est rouge et vert, mais dans quel ordre, je ne sais pas. Peut-être comme ça. Bon, il est particulier le drapeau, il a un code couleur. Enfin, il mélange des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble sur le drapeau. Je crois que c'est comme ça. Après, il y a un symbole au milieu qui va un peu tout faire tomber sous le sens. Symbole que je n'ai absolument pas en tête, mais je crois qu'il y a des lauriers comme ça. Et puis au milieu, il y a une énigme, je ne sais pas. Peut-être un espèce de. Un bâtiment, je sais pas, un truc. Oh, allez hop, ça m'énerve. L'Afghanistan. Arabie Saoudite, bon, bah alors, je connais évidemment par cœur le verset coranique qui a écrit dessus, comme vous allez le constater. Hop, Dublin. Et ensuite, attention, j'espère n'offenser personne, mais bon, voilà. Et il y a un sabre en dessous, je sais pas dans quel sens il est. On va dire qu'il va dans le sens de lecture de l'arabe. Voilà, un petit spermatozoïde comme ça. Et ouais, bah on enchaîne vite dans l'Asie. Hein. L'Europe c'était trop long, l'Asie j'espère que ça va être plus court. Voilà, l'Arménie c'est particulier les couleurs aussi. Il y a genre de l'orange, du rouge, du bleu je crois. Je crois que c'est comme ça, rouge au milieu. Orange ici peut-être. Puis du bleu. Ouais, bon les couleurs sont là mais l'ordre ne me convainc pas trop. C'est soit il y a un problème entre le orange et le rouge. C'est l'un ou l'autre. Mais je ne sais pas. Non, je crois que c'est quand même celui que j'ai fait de base. C'est peut-être l'autre, mais je sais pas. Mon instinct me dit que ouais. Azerbaïdjan, bon, voilà, ouais, c'est quand même beaucoup plus dur que l'Europe en fait. Hein. Ça a aussi des couleurs particulières, pardon. Bleu. Faire aussi, où ça personne ne sait, peut-être là, puis du rouge au-dessus, du coup, ouais, ça peut le faire. Ah, ouais, non, ouais, en vrai, je crois que je suis pas très loin du résultat là, étonnamment. Je vais quand même faire une plus belle lune que ça. Un C, voilà, je sais pas s'il y a une étoile au milieu ou pas. On va dire qu'il n'y en a pas, de toute façon, il n'y en a pas, allez hop. Bahreïn, voilà, enfin un truc facile. Je sais pas combien il y a de pointes, mais vous me pardonnerez, hein, voilà, de toute façon. Hop, allez, on enchaîne. Bangladesh, un drapeau, je l'admets ouvertement, je le trouve immonde. Voilà, rouge foncé sur vert foncé, c'est vraiment une association de couleurs qui est pas très judicieuse. Déjà, pour les daltoniens, c'est un enfer. Et puis, pour les non-daltoniens, bah, c'est pas beau. Voilà, donc le Bangladesh, bah on l'emmerde, tout simplement. C'est pas l'inverse, par hasard? Non, pas du tout, c'est pas ça. Oh, quoique. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le Bhoutan. Ah oui. Avec un dragon que je vais évidemment redessiner à la perfection. Qui du jaune et de l'orange est dominant? Excellente question. Peut-être comme ça. Puis le dragon, bon. Voilà quoi. Il a des boules dans les mains. Des moustaches de poisson. Puis. Il bave partout comme ça. Hop, voilà. Une crevette, en fait. C'est une crevette. Birmanie. Il fait très africain le drapeau de la Birmanie. Il y a l'éternel. Merde. Jaune, rouge, vert. L'ordre va sûrement me faire défaut par contre. Ouais, non, ça c'est. Ça fait un peu bolivien tout ça. Mais après, il y a une étoile blanche au milieu qui se marie très mal avec l'ensemble, je trouve. Mais bon, c'est un choix qu'ils ont fait. Ça fait très africain, hein, mais le drapeau de la Birmanie est plus ou moins comme ça, je crois. Mais ouais, Brunei, c'est un beau foutage de gueule comme drapeau, ça aussi. Il y a des mains qui disent bonjour à une espèce de. Je ne sais pas, je crois que personne ne sait ce que c'est. Fond jaune, peut-être? Ou alors c'est juste tout jaune. Oh, c'est pas du tout ça. Si, il y a une espèce de double transversale comme ça, mais il y a un truc qui va pas là. Là, je suis en train de faire Kill Bill, là. Petit réceptacle avec. Voilà, c'est genre une boule de Noël. Voilà, une boule de Noël. Avec des mains qui font wahoua. Voilà, Brunei. Le Cambodge, oh, putain, mais c'est la fête là, niveau drapeau chiant là. Non, en vrai, ça va. Je retire ce que j'ai dit, c'est vraiment hyper simple. Bon, j'aurais dû faire le rouge en premier. Voilà. Non, je crois que les contours sont blancs. Puis hop. Voilà. Joli château de sable. Voilà, le Cambodge. Bon. Oh merde. La Chine. Ah.
Voilà, les yeux fermés à une main en faisant le poirier. Hop, ta 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 ta. Attends, il y a combien d'étoiles? Parce que j'ai quand même tenté de. Je crois qu'il y en a 4 en éventail comme ça. Ouais. Chypre, le pays. Voilà, qui a. Pouf! Espèce de truc en espadon comme ça. Voilà. Bob l'éponge, mort, écrasé, voilà. Avec des petits. Ouh là non. Pas si fier que ça. Petit rameau d'olivier. Hop, hop. Bon, voilà, Chypre. Corée du Nord. C'est. Non, c'est pas aussi proche. Ah non, c'est peut-être bien l'inverse du Cambodge au niveau code couleur comme ça. Il y a des petites bordures blanches qui restent, il me semble. Ta 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 ta. Dans un rond, je crois que c'est ça. Ouais, c'est proche en tout cas. Corée du Sud. Du bleu. Ouh là non, ça fait Pokémon ça. Non, c'est rouge et bleu. Rouge et bleu. Noir et rouge? Non, je suis en train de faire Pepsi là. Non, il y a pas de noir au milieu. Non, le noir il est autour là, dans les espèces de. C'est ça. Ouais, allez hop, c'est ça. Émirats Arabes Unis, bon. Il y a un peu trop de couleurs à mon goût là. Hop, on va dire que c'est ça, de toute façon, c'est pas en restant 5 minutes dessus comme pour les autres pays que je vais me rapprocher le plus de la vérité, je pense. Donc on va dire que c'est ça. Géorgie, très. Drapeau très singulier. Le drapeau de l'Angleterre en mieux, hein, en somme. Voilà. L'Inde. Je ressens du vert en dessous. Ou de l'orange? Non, je crois que. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Je le sens bien comme ça, là. Il n'y a qu'au milieu un symbole beaucoup trop compliqué avec une étoile à 720 milliards de branches. Indonésie, bon, c'est la copie conforme de Monaco, hein. Il y a juste le format qui change, mais comme dit le format, Bah, le format n'a aucune importance. Irak. Irak. Hop. Rouge. Et comme pour l'Arabie Saoudite, je vais sûrement en offenser plus d'un. Mais voilà, c'est comme ça. Iran. Oh merde. Il y a une bande blanche au milieu. Avec un symbole. Et puis il y a une espèce de petit crénelage bizarre autour des bandes. Je crois qu'il y a de l'orange. Orange vert, non c'est pas comme l'Inde. C'est comme ça? Orange vert? Ça me semblerait bizarre que ce soit pas rouge, blanc, noir comme les autres pays du coin, mais. Non, c'est trop bizarre comme ça. Je suis sûr qu'il y a du vert. Ou de l'orange. Hop, la Hongrie, le retour. Espèce de truc comme ça, là. Pff, voilà, un palmier. Un cotylédon de tomates. Je ne sais pas. Allez hop. Israël, rien de bien compliqué. Faire un peu plus clair. Ta 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 ta. Je crois que c'est tout. Ouais. Le Japon. Bon. Est-ce qu'il y a vraiment grand-chose à dire? Voilà. Oh là 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 là. Non, c'est dans l'autre sens. C'est une histoire de triangle. Avec une étoile au milieu là. Oh, je vais me prendre un moins deux sur celui-là, je le sens. Les couleurs, je fais trop au pif là. Non, il n'y a pas de vert. Oh, mais là, on est de retour en Europe là. Je suis en train de faire. Allez au pif, hein, voilà, c'est pas du tout ça, il est indigeste, mais bon, allez hop. Ah, Kazakhstan, celui-là, je vais être assez proche, je pense. Hop, voilà, petite tagliatelle. Et puis il y a un soleil, je crois, avec un oiseau qui écarte les ailes. Voilà. Kirghizistan, encore un fond rouge. Voilà. Ouais, je m'en souviens très bien du Kirghizistan. Voilà, une boule de billard qui explose. Hop. Koweït, il a une forme assez particulière, une espèce de trapèze comme ça. Et puis rouge et vert, je pense. C'est possible que ce soit ça, mais bon. Le format est là, enfin. Ouais, le format est là, mais pas le, peut-être pas les couleurs. Oh là là, le Laos. Non, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Il y a une petite symétrie, je crois. Je crois que c'est comme ça, avec du bleu. Je crois que c'est. Ouais, non, je crois que c'est exactement ça. Le Liban, c'est l'Autriche, mais en un peu plus forestier. Avec au milieu un cèdre mignon tout plein. Voilà. La Malaisie. Ouais, c'est compliqué la Malaisie. Hein. Un petit cadran comme ça. Avec. Voilà. Avec environ 81 rayures sur le côté, comme ça. Bon, l'idée est là. Les Maldives. Je crois que c'est le vert qui est en fond.
Je crois que c'est ça, ouais. On est encore loin? Ouais. Bon, j'ai fait plus de la moitié. La Mongolie-Goli. Je crois que c'est ça. Quoique, non, c'est du bleu. C'est du bleu, c'est du bleu. Parce que c'est le symbole qui est en jaune. Et je crois pas qu'il y a une redite de jaune. Il y a des piliers, il y a un yin et yang, il y a. Allez hop. Ah, et le Népal qui fait son malin. Hop. Paf. 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 Voilà. Et les couleurs, bah vous me pardonnerez, hein. Je crois que c'est rouge et bleu. Avec des symboles. Ouais, c'est ça. Bordure bleue, sûrement. Puis des symboles, voilà. Puis une étoile, encore une étoile. Voilà, hop, le Népal. Oman, c'est particulier aussi, Oman. Je crois que c'est comme ça. Peut-être bien du vert aussi. Puis il y a des épées qui se croisent, des. Ouais, bon. Oh, c'est épuisant, putain, l'Asie. C'est. Je retire ce que j'ai dit, hein. Je pensais que l'Asie ça irait, mais c'est bien plus dur que l'Europe. Hein. Enfin, pas vraiment plus dur, mais les drapeaux sont bien plus complexes, du coup c'est bien plus fatigant. Non, 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 non. Il y a une histoire de bordure. Ouais. Non, c'est ça. Il y a un truc comme ça là. Je tiens un truc là. Puis après, il y a une lune avec des étoiles en escalier, je crois. Ouais, je suis pas très loin, je pense. Le Pakistan, c'est pas très compliqué. Hop. Ta 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 ta. À moins que ça ne soit dans l'autre sens. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je crois que c'est comme ça. On va dire que c'est comme ça. Le pain au palest. Non. Triangle vert, je crois. Puis après, c'est. Encore le noir, blanc, rouge. Ouais, je crois qu'on n'est pas très loin. Oh, les Philippines. Ils sont encore en format triangulaire. Je crois que c'est comme ça. Avec un symbole. Voilà, une boule de Noël au milieu. Le Qatar, un peu comme le Bahreïn. Pas confondre. Une espèce de rouge cramoisi comme ça. Le plus long drapeau du monde, il me semble, en termes de format, mais bon. Oula, qu'est-ce que tu fous là, toi? Je me suis trompé? J'ai mis la Russie deux fois? Ah, j'ai dû être sur une liste qui incluait la Russie à la fois en Europe et en Asie. C'est un peu cringe du coup. Voilà. Singapour. Voilà. Je crois que c'est comme ça. Sri Lanka, bon là vraiment. Mais je crois que je le connais assez bien. Il y a un truc comme ça là. Avec à côté deux. Je crois qu'il y a du violet aussi. Là, je crois que c'est du rouge. Ouais. Bon, le format est là, mais pas les couleurs. Avec un lion. Non, le lion tient une épée. Puis il y a des espèces de petits grains de maïs là dans les côtés. Ouais. La Syrie. Hop. Et deux étoiles, voilà. Là, je suis très juste, je crois. Taïwan. Ok, non, c'est bon, j'ai. J'ai. Avec au milieu le soleil des Teletubbies. Voilà. Oh là 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 là. C'est la fin, ouais, c'est la dernière ligne. Bon, je vais sûrement prendre un carton rouge sur celui-là aussi. Quoique. La Hongrie, le retour. Avec au milieu un espèce de. Hop. Un Doritos qui brille. Voilà. Thaïlande, bon, entre le Thaïlande et le Costa Rica, je sais jamais lequel est lequel. Parce qu'il y a juste une inversion de couleur comme ça. Je sais pas, on va dire que c'est ça, puis pour Costa Rica, on fera l'inverse. Le Timor. Je crois que c'est tout orange. Avec ça, comme ça. Du noir. Oula. Le format est comme ça, mais. Non, 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 l'orange est bien trop. Non, j'ai dû inverser l'orange et le rouge. Voilà, une jolie couleur cérumène. J'ai vraiment des doutes là. Bon, allez hop, on dit que c'est ça. Bon. Et là, sans pression, je dessine à la perfection le petit napperon qui est à côté là. Hop. Truc comme ça. Puis là, bon voilà, on ferme les yeux, c'est la fête. Hop, des couleurs de partout. Voilà. Turquie, à ne pas confondre avec la Tunisie.
Parce qu'à une époque, je les confondais tout le temps. Mais non. Voilà. Le Vietnam. Sur la fin, c'est plus facile, hein, ça fait plaisir. Les derniers là, ils sont simples. Hop. Une petite étoile de Mario. Voilà. Et pour finir. Voilà. L'Asie, c'est fini et je ne veux plus en entendre parler. Bon, allez, on y va. On fait ça, on n'en parle plus jamais. Alors, Afrique du Sud, ben, on commence bien. Bon, le drapeau est magnifique, hein, mais non, bon, c'est déjà pas ça. Je crois que c'est du noir qui est à gauche. Ouais, le drapeau est magnifique, hein, aucun souci, mais ils auraient pu être sympas pour les gens comme moi qui plusieurs décennies plus tard allaient faire ce genre de choses. Je crois que. Bon, au niveau des formes, c'est ça. Au niveau de la couleur, c'est pas ça. Peut-être en inversant bon, je sais même plus les couleurs. Hop. Ouh là non. Ouh là, je sais plus ce que je fais. Oh, j'ai la flemme, j'ai envie de laisser comme ça. J'ai le droit de laisser comme ça ou pas? Parce que c'est faux, hein. Ça peut pas être ça, mais. Pff, allez, on laisse comme ça. De toute façon, j'y arriverai pas. Ouais. On commence très défaitiste, hein. Toujours. Bon, l'Algérie, un peu plus foncé. Déjà plus simple. Et puis, une lune mignon tout plein avec une étoile mignon tout plein. Je crois que c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est dans ce sens-là. Ok. Angola, il y a deux rayures. Rouge et noir, je crois. Ouais, c'est un peu sinistre, hein, comme drapeau. Puis il y a une espèce de. Je sais pas, j'ai une forme comme ça en tête, genre une espèce de courbe comme ça avec une série d'étoiles qui viennent un peu en contre-forme comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que je suis pas très très loin du. Ouais. Bénin. Alors Bénin, je crois que c'est le fameux trio de couleurs qu'il y a partout là. Vert, jaune, rouge. Je crois qu'on est sur un truc comme ça. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être pas ça aussi. Ouais, bon. Botswana, celui-là, je crois que je peux le faire. Ouais, non, non, celui-là, je l'ai. J'ai. Voilà. Hop. Burkina Faso. Comme ça. Comme ça. Et enfin, hop. Et je crois que c'est. Ouais, je crois que c'est ça. Peut-être le vert et le rouge sont inversés. Pff, en vrai, j'en sais rien. Les deux me semblent justes. Mais j'ai quand même gardé celui que j'ai fait de base. Le Burundi, il est assez bizarre celui-là. Il y a une histoire de. Je sais même pas quelle couleur c'est. C'est du vert, je crois. Voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est moche! Qu'est-ce que c'est moche! Oh, j'ai envie d'y aller à la règle. Hop, 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 hop. Et. Oh, c'est pas spécialement plus joli. C'est même carrément dégueulasse. À coup sûr, c'est même pas du vert, c'est genre du rouge. Puis il y a des étoiles au milieu qui sont peut-être rouges pour le coup. Je crois qu'il y a un contour, une histoire d'étoiles qui sont. Il y a une histoire d'étoiles qui ont des contours, je crois. Voilà, bon, on dirait. Je sais pas, on dirait un alien qui, qui fait. Ouh! Le Cameroun. J'en peux déjà plus, je suis même pas. Bon, j'ai fait la première ligne à peu près. Aïe aïe aïe. Cameroun, Cameroun. Je crois qu'il y a une étoile noire au milieu. Je crois. Puis de part et d'autre, ça va être nos chers amis rouge et vert. Oh non, c'est le Ghana. Oh, je sens venir le Ghana. Non, je crois que je suis en train de faire le Ghana là. C'est le Ghana, je suis sûr. Ou alors les deux se ressemblent à coup sûr, mais je sais pas si il y a une étoile noire sur le Cameroun aussi. Oh, on laisse, de toute façon. Bon, pour le Ghana, je ferai un truc similaire et puis on verra si j'ai la force d'y revenir. Cap Vert. C'est tout bleu partout. Hop. Puis il y a une espèce de ligne comme ça, avec des bordures blanches, je crois. Puis sur le côté, il y a un petit cercle d'étoiles comme ça. Voilà, des petits gnocchis. Je crois que c'est à peu près ça. Ouais. Allez, deuxième ligne. Ouais. Oh, je vois l'Afrique du Sud, là, ça me donne envie de.
Non, 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 c'est plus je le vois, moi, c'est ça. Bon, la Centrafrique, c'est pas spécialement plus simple. Il y a une colonne centrale qui est blanche, je crois. Puis après, oh là 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 là, la Centrafrique, j'avais oublié à quel point il était chiant celui-là. Je crois que les couleurs sont les mêmes de part et d'autre. Je fais au pif, hein. Là, franchement, je vous le dis, je vais être honnête avec vous. Je fais au pif. Les couleurs, c'est sûrement ça. Parce que je vois pas quelle autre couleur ça pourrait être. Je crois qu'il y en a quatre. Mais l'ordre, c'est. Mais, et ça, j'en suis sûr. Là, il y a une étoile. Hop, je sais pas si elle est jaune, si elle est blanche, si elle clignote, je sais pas, mais c'est pas très beau une fois de plus. Et il y a l'Arménie qui vient s'inviter dedans, là, j'ai pas fait gaffe, mais. Ouais, bon, allez. Les Comores. Oh là là. Oh merde, les Comores. Ok, là, je crois qu'on assiste à mon premier gros trou de mémoire, là. J'ai un croissant de lune en tête. Il y a un croissant de lune, de sûr. Et puis peut-être une histoire de triangle. Je le vois bien rouge là, le. Puis qu'une structure en triangle autour là. Oh lolo lolo, ça me plaît pas trop tout ça. Je suis en train de faire l'Algérie V2 là. Oh, c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. Je vais me prendre un moins 2 sur celui-là. Oh, pff, allez, on s'en va, on s'en va. J'angoisse avec les Comores là. Oh là là, les Congos. Les deux potes là. À coup sûr, je vais les confondre. Je retiens jamais lequel. Lequel est lequel? Lequel c'est Brazzaville? Lequel c'est Kinshasa? Lequel c'est le grand? Lequel c'est le petit? Je retiens jamais. Je sais les faire, hein, les deux drapeaux, mais je sais pas comment les attribuer. Enfin, je crois que je sais les faire. Il y en a un qui est assez simple, où c'est juste une barre oblique avec du rouge, je crois. Oula, non. Qu'est-ce que je raconte? Il y a une barre oblique, mais blanc et rouge? C'est possible, ça? Ça me semble beaucoup trop simple. Ouais, c'est bien trop simple, l'Espoir africain. Ouais, on laisse ça de côté. L'autre, je l'ai déjà beaucoup plus en tête. Il y a un bleu ciel, comme ça. Avec ça. Peut-être du blanc aussi. Hop. Et une étoile. Ou alors c'est dans l'autre sens. La barre. Non, je crois que c'est comme ça. Et lui, là. J'ai envie de laisser comme ça, en vrai. Ça peut pas être noir. Oula, non, c'est sinistre. Bleu. J'essaie de voir parce que je suis sûr qu'il y a une majorité de rouge. Mais y a quoi qui irait bien là? Bleu, vert, c'est moche. Jaune, c'est pas ça. Bon. Allez, on laisse comme ça, voilà. Ah, le côté d'Ivoire. Le côté d'Ivoire. J'ai fait une faute de frappe très très étrange. Le côté d'Ivoire, du coup. Bon, bah. Désolé à tout. À tous mes spectateurs ivoiriens qui sont au nombre de moins 2, mais vous êtes désormais. Voilà, l'histoire du pays, ben voilà, c'est. Bon, au moins le drapeau est juste, hein, on peut se consoler là-dessus. Bon, c'est pas le plus compliqué, hein, mais. Bon, le côté d'Ivoire. Oh merde. Bon, allez, et Djibouti. Djibouti, je crois que je peux le faire à la perfection. Je crois. Les couleurs sont très bizarres. Il est un peu. Parce que les couleurs sont très fades. Enfin, fades, pas dans le sens péjoratif. Le drapeau, je le trouve très joli. Je crois que c'est à peu près ça. Peut-être une inversion entre le bleu et le vert, mais on va se contenter de ça. L'Égypte. Hop, le trio de couleurs qu'on connaît bien dans le Moyen-Orient. Voilà, puis au milieu, il y a une poule. Je sais pas si elle est de face ou de profil. Elle est jaune en tout cas. Voilà, c'est un oiseau, hein. Pff, allez hop, voilà un oiseau, un poussin mort, voilà. Érythrée. Érythrée, il y a un triangle rouge. Ouais, avec des petits rameaux d'olivier. Et puis au milieu, il y a. Je sais pas, on va faire un rond, voilà. Et après, c'est sûrement du vert et du. Oula. Et du bleu. Voilà. Bon. Je pense que l'idée est là, le drapeau est clairement pas comme ça, mais on va s'en contenter. Éthiopie. Éthiopie. Comme ça. Comme ça. Je crois que ça c'est la Sierra Leone, mais il y a un symbole au milieu. Non, je suis en train de faire les autos là. Non, 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 non. Non, 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 l'Éthiopie c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ça c'est les autos. Comment j'en viens à confondre les autos et l'Éthiopie? Oh, l'Éthiopie.
Ah non, je sais. Pas d'inquiétude. Ces couleurs-là, peut-être dans cet ordre-là. Hop, voilà, la Bolivie une fois de plus. Mais au centre, il y a ceci. Et dans ceci, il y a cela. Non, je crois que l'étoile est assez particulière. Je crois qu'elle est assez fine. Oh non, ça va être impossible à faire. Oh là non, s'il vous plaît. Et au milieu, je crois qu'il y a des genre des petites branches comme ça, là. Un truc comme ça. Bon. Eswatini, anciennement Swaziland, ça a changé, le nom a changé il y a peut-être 2 ou 3 ans. Je crois pas que le drapeau ait changé en même temps. On va prier pour que ça ait pas changé entre temps. Au milieu, il y a une espèce de graines de tournesol comme ça, avec des traits blancs. Et là, hop! non. Puis les couleurs, bon, voilà. Une Pokéball, en fait. Voilà, c'est depuis le début, c'est une Pokéball. C'est pas ça, hein. Je crois qu'il y a des petites. J'ai envie de mettre. Je crois que j'ai souvenir genre d'une petite touffe jaune comme ça, peut-être là. Je crois qu'il y a genre un petit défaut, genre une petite fleur qui pousse quelque part là. Oh, j'ai envie de mettre du bleu. Je crois que c'est du bleu. Il y a du bleu quelque part. Peut-être un contour? Non. Mais je suis sûr qu'il y a du bleu. Il y a pas de vert. Mais là, c'est encore une Pokéball, ça. Bon. Gabon. Gabi Gabon. Il y a une association de couleurs assez particulière pour le Gabon, je crois. Ça fait un peu Azerbaïdjan. Du vert un peu plus foncé, quand même. Puis du rouge. Je crois que ce sont ces trois couleurs-là, mais pour la huième fois, l'ordre n'est sûrement pas au rendez-vous. La Gambie. Oh là là, mais c'est. J'ai l'impression de faire le même drapeau en boucle depuis avant là. La Gambie. La Gambie. Ce sont des barres horizontales déjà. Ouais, c'est très horizontal comme pays globalement. Ouh là 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 là. Celui-là, je le sens mal. C'est la fin. Oh là, c'est pas ça. Non, il y a du rouge quand même. Ça, c'est la Colombie en fait, hein. Non. Allez, on fait comme ça. Non, 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 je crois qu'il y a une histoire de petite bordure comme ça. Bon, on laisse de côté. On tire la chasse. Le Ghana, bon, on l'avait déjà fait une fois avant. Je vais faire pareil, mais en inversant rouge et vert. Y a moyen que ce soit ça. L'un des deux, c'est ça en tout cas. En tout cas, une étoile noire comme ça sonne très Ghana là. Attends, du coup, l'inverse, c'est quoi? Ouais. Guinée, bon. Voilà. On va dire que c'est comme ça. La Guinée-Bissau. Oh là là. C'est sûrement des barres verticales. Avec une étoile au milieu peut-être. On va faire comme ça. Oh bruh. Oh c'est cringe. Je suis en train de faire le Sénégal là non? Oh je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais pas. Non c'est pas la Guinée-Bissau ça. Ça c'est le Sénégal. Puis même genre ce jaune tout à côté c'est bizarre. Au final ça a peut-être rien à voir. C'est pas un truc un peu à la Madagascar là, comme ça là, avec une barre de côté et puis une toile au milieu, puis à côté ça fait un peu sa vie là. C'est pas un truc comme ça? Allez, bon, on dit que c'est ça. C'est encore long. Oh, j'en suis même pas à la moitié. bon, il y a un arbre déjà quelque part. Là-dedans il y a un arbre. Puis là, je me dis, on est en plein milieu de la vidéo. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va tout regarder? Vraiment tout. Mais du coup, là, ça se trouve, je peux vraiment me mettre à dire des trucs pas possibles et personne ne le saura jamais. Alors que ce sera à la vue de tous. Est-ce que je pourrais pas un peu en profiter? La Guinée équatoriale. Bon, on va quand même faire cet arbre, hein, c'est à peu près le seul élément dont je suis sûr. Voilà, un arbre vraiment vert pétant. Avec un tronc noir, voilà, hop. Le Kenya, bon. Grosse majorité de rouge. Hop. Peut-être bien une barre noire comme ça. Comme ça. On dirait que je suis sûr de moi, mais vraiment là, je patauge. Hein. Avec un bouclier au milieu. Ouh là, non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas blanc non plus. Ça peut pas être jaune, parce que du jaune, si, c'est jaune. J'ai l'impression de le parfaitement l'avoir en tête, mais j'arrive absolument pas à le retranscrire. Puis on va dire que. Ah, mais non, mais je veux du bleu! S'il vous plaît, du bleu.
Un ballon de rugby. Puis je crois qu'il y a des lances derrière comme ça. Bon. Ah, le Lesotho, enfin. J'avais tellement hâte de le faire, le Lesotho, que je l'ai fait avant. Voilà. Hop, au milieu, il y a un symbole que j'ai assez bien en tête, bizarrement. Il est comme ça, puis c'est un petit chapeau de Schtroumpf. Je crois que c'est ça. Je crois que là, j'ai bien 2 points pour celui-là. Ouais. Oh, le Kenya, il m'énerve. Quand je vois le Kenya et l'Afrique du Sud, là, mais surtout le Kenya, j'ai. Ça m'énerve. C'est pas du tout ça. Le Kenya. C'est pas ça. Le Liberia. Le Liberia. Alors. Nous avons un petit carré comme ça, avec une étoile dedans. En fait, le Liberia, c'est un peu comme les États-Unis, le drapeau, sauf que là, c'est genre l'État-Uni. Il y en a qu'un seul. Il n'y a qu'une étoile. C'est l'État-Uni. La Libye. Une rayure noire au milieu. Rouge et bleu. Bleu et vert. Rouge et vert. Taupe. Vert de gris. Non, il n'y a pas de rouge. Pas là, en tout cas. Peut-être que si. Ça, c'est l'Estonie. Petit rappel à quel point l'Europe, c'était les vacances. Hein. Pff, non, ce vert ne tient pas la route. Et celui-là non plus. En fait, il y a peut-être du rouge. Et il y a peut-être pas de bleu. En fait, il y a peut-être pas de couleur. Peut-être que la Libye n'existe tout simplement pas. Hop. Hop. Je crois qu'il y en a 4. On va dire qu'il y en a 4. Madagascar, c'est Dougon. Hop. On remercie Madagascar. De pas trop se prendre la tête niveau drapeau. Hop, je crois que c'est ça. C'est peut-être l'inverse, orange et vert, mais je crois que c'est ça. Je suis assez confiant. Le Malawi, nous avons un superbe lever de soleil avec 31 rayons. Je le sais, vous pouvez vérifier. Je vais donc en faire 31. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31. Je crois qu'il y a une redite de rouge. Je crois que le rouge apparaît 2 fois. Je crois que le rouge n'apparaît pas 2 fois. Non, ce bleu est bizarre. Peut-être ici. Et là, le rouge est peut-être mieux maintenant? Pff, non, il manque un truc. Il manque un truc. Non, verre et bleu, ça marche pas. Ça marche jamais, verre et bleu. Jaune? Non, ça c'est l'Ukraine. Jaune, rouge. Oh, allez, hop, on dit que c'est ça. On dit que c'est ça. Oula. On dit que c'est ça. Le Mali, c'est. Bah, ça tombe bien. Hein. Il y a les Guinées au-dessus. On va pouvoir essayer de faire un truc différent parce que. Ce sont les exactes mêmes couleurs. Hein, au code hexadécimal près. Voilà. Pff, allez, le Mali. Ah, enfin! Le Maroc, voilà. Donc je serais sûr à 100% de ne pas m'être planté. Une petite étoile verte, vert un peu foncé. Et l'étoile est en évidé. Voilà. Maurice. Ce cher Maurice. 4 rayures horizontales. Mais de quelle couleur, ça c'est un mystère. Sûrement vert, jaune, rouge et bleu. Parce que c'est à peu près les seules couleurs qui ont du sens. Oh, ça me rappelle un truc, ça. C'est pas un drapeau que j'ai. C'est pas le Gabon, ça? Non. Ce drapeau existe. Je sais pas s'il était là-dedans puis que je l'ai raté ou qu'il viendra après, mais ce drapeau existe. Hop, Maurice. S'il est juste, y a quoi? Y a une chance sur la factorielle de 4 que ce soit juste. Donc 4 fois 3, 12, 24. Il y a une chance sur 24 que je me sois pas planté. Pour Maurice. Ah, la Mauritanie a changé récemment de drapeau. Voilà. Un croissant de lune, voilà. C'est un drapeau qui est très souriant, la Mauritanie. Et donc avant c'était ça. Et maintenant la nouveauté c'est que. Il y a des petites bordures rouges. Voilà. Oh, la Mozambique, il est pas simple non plus celui-là. C'est un triangle déjà. Il y a un petit symbole dessus avec une Kalachnikov. Sachez-le, sur le drapeau de la Mozambique, il y a une Kalachnikov. Qui se croise avec une bêche, je crois. Donc voilà, une Kalachnikov, hein. On reconnaît clairement de loin même. Puis voilà, du rouge sûrement, parce que qui n'aime pas le rouge? Du jaune, du bleu peut-être, je sais pas. Bon, oh c'est pas du tout ça. Non, c'est pas ça, mais on va dire que c'est ça. La Namibie, il me reste 2 lignes là? Il me reste 2 lignes. Ok, la Namibie. Fond bleu.
Une histoire de transversale aussi, puis un soleil quelque part, par là. C'est pas dans ce sens-là. C'est pas vertical. Non, c'est pas vertical. Qu'est-ce que je raconte? Et là, c'est le Cap Vert, mais qui s'est cassé la gueule. Non, il y a du rouge quand même. Bon, voilà, il y a un peu de tout. Je suis sûrement tombé juste là-dedans. Et il y a un soleil. Magnifique soleil. Voilà, c'est. Ouf, je suis très très loin de la vérité, je crois, avec ça. Alors, le Niger. Je crois que je peux le faire, le Niger. Et du vert? Ou du bleu? Ah, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Vert ou bleu. Orange, c'est sûr. Mais ça fait Inde. Peut-être avec un vert plus foncé, ça sonne plus juste. Ça me paraît trop pâle comme ça, trop terne. Ouais, bon. Ah, Nigeria, on est en vacances. Tac. Et voilà. Le Nigeria. Devant vos yeux ébahis, le Nigeria. Oh non. Il y a un coq au milieu qui est tout fier. Et puis en fond, c'est la fête, c'est n'importe quoi. Oula. Ça alterne noir, noir, jaune, rouge, je crois. Ça sonne très germain, tout ça. Et il n'y a pas la place pour une rire rouge. Enfin. Allez hop, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. J'en ai sûrement fait beaucoup trop. En fait, c'est là, ouais. Et au milieu, bah, du coup, il y a un cercle blanc avec un oiseau comme ça, là, qui lève la patte. Voilà. Un petit pingouin. Ouais. Le Rwanda, c'est bleu. Il y a un petit soleil. Ensuite, c'est vert, je crois. Ouh là là. C'est bizarre. Peut-être du rouge. Ouh là 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 là. Non, c'est sûrement pas ça. Le format est bon, mais c'est peut-être mieux comme ça. Ouais. Sao Tomé et Principe, mon 111e pays préféré. De loin. Le drapeau. Je n'ai rien d'autre à dire. Le drapeau. Il y a une histoire de triangle dans ce sens-là. Oh, c'est hongrois. Encore une fois, c'est hongrois. Puis il y a des étoiles au milieu, là, comme ça, je crois. Pouah, on dirait un mélange entre la Hongrie et la Syrie. Là. Ah, d'un coup, ça s'illumine un peu. C'est sûrement pas ça, mais je suis peut-être plus proche. Bon, le Sénégal. Et je crois avoir fait l'exact même drapeau plutôt. Pour je sais plus quel pays. Non? Bah. Ah non, j'avais fait ça pour la Guinée-Bissau avant de me corriger. Je me souviens. Mais du coup, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Les Seychelles, c'est magnifique, hein, mais quelle horreur. Je sais même pas combien de couleurs. Il y en a 5, je crois. Peut-être 5. Ça doit être les 4 couleurs les plus courantes, plus du blanc. Je crois qu'il y a du bleu. Ouais, il y a du blanc vers la fin, là. Et genre du bleu en dessous. Ouais, c'est forcément ces couleurs-là. Mais pas dans cet ordre-là. Ou alors j'aurais une chance sur la factorielle de 5 que ce soit ça. Du coup, ça ferait 5 fois 24. Ça me ferait une chance sur 120 d'avoir juste. Donc on croise les doigts. Et la probabilité d'avoir juste à la fois aux Seychelles et à l'île Maurice, ce serait une chance sur 24 fois 120. Ce qui fait à peu près 120 milliards, je crois. Sierra Leone, pas très compliqué. Voilà. Ah, la Somalie, c'est pas très compliqué non plus, ça fait plaisir. Petit bleu pâle comme ça. Et une étoile blanche. Voilà. Ah, les Soudans, les deux Soudans là. Et Soudan, le Soudan. Alors, pour l'un d'entre eux, j'ai envie de mettre une espèce de. Genre un format triangle comme ça. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai en tête. Et du coup, il y en a vraiment l'un des deux pour lesquels j'ai aucune idée de quoi mettre. Je crois que c'est pour le Soudan du Sud, où c'est un long triangle rouge comme ça. Ah non, je la vois jaune, l'étoile. Et la troisième couleur, encore du jaune. Voilà. Pouah, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et lui, alors c'est quoi? J'ai. Oh. J'en sais rien. Je sais pas ce que c'est. J'ai envie de mettre un point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Oh, quand je vais faire le montage et que tous ces pays-là, la Centrafrique, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Soudan, quand je vais voir la réponse, je vais. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire, clairement. Oh, le Soudan, quoi.
J'ai envie d'utiliser un joker là, parce que j'ai vraiment aucune idée quoi faire. J'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. Oh, je vais me prendre un moins 4. Là, les deux cumulés, ça va être moins 4. Voilà. Ensuite, je crois qu'il y a genre du rose fluo. Comme ça. Et après, là, il y a des petits chats tout mignons. Voilà. Le Soudan. Hop là! Ah, Tanzanie. Tanzanie. Il y a une histoire de barre oblique. Est-ce que c'est vraiment du rouge? Rien n'est moins sûr. C'est peut-être bien du rouge au final. Quoique. Insupportable. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Oh, allez. On est sur la fin là. La fin de tout. La fin de mon être. Voilà, c'est vraiment le drapeau de la Tanzanie. Voilà, c'est à s'y méprendre avec l'original. Le Tchad, ben ça tombe bien parce que c'est une copie conforme de la Roumanie. Voilà. Le Togo. Le Togo, le Togo. Ça commence un peu comme le Liberia. Je suis pas très confiant, hein, je vous avouerai. Non, c'est trop. Non, il y a du vert. Il y a du vert, quelque part. Dans ce monde, il y a du vert. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Il y a peut-être pas autant de rayures, mais. La Tunisie, donc. À ne pas confondre avec la Turquie, hein, comme je l'avais dit. Voilà. Ensuite, là, il y a ça. Voilà, Tunisie. La Zambie, il est très bizarre, le drapeau de la Zambie. Un fond vert. Et sur le côté, là, il y a des couleurs un peu absurdes. Genre noir et orange, je crois. Puis au-dessus, il y a un oiseau. On va le faire jaune, parce que j'aime bien le jaune. Un peu comme pour le Kazakhstan. Voilà. Puis on termine avec vraiment un feu d'artifice d'absurdité. Je l'ai assez bien en tête, bizarrement. Je crois que les couleurs se reflètent en. Il y a une symétrie au niveau des couleurs, je crois. Non, il y a pas de noir. Il n'y a pas de noir au Zimbabwe. Non. Pour l'instant, c'est très autrichien, mais. Oula, qu'est-ce que c'est que cette couleur? Il y a bien plus de rayures que ça, mais. Puis à côté, il y a une espèce de sphinx d'Égypte, là, un truc. Genre un petit poussin, là, comme ça. Oh, j'ai envie de le refaire. Les rayures, elles me vont pas, là. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de le refaire? Bah, je vais pas le faire. Voilà. Bon, c'était l'Afrique et. Oh là là, quand je vois ce que j'ai fait. Oh non, non. Là, il y en a qui me sautent aux yeux, je suis pas content. Genre là, la Mozambique, le Kenya, Zimbabwe. Oh la Tanzanie, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que. Le sou. Qu'est-ce qui m'a pris? Bon, le plus dur. Allez, on oublie. On oublie, enfin, j'oublie, moi en tout cas. Je ne sais pas ce qui vient de se passer, j'ai tout oublié. Et pour la prochaine fois, ce sera bien plus simple. Enfin, bien plus court en tout cas. Voilà. Ok, Amérique. On est parti. On commence directement avec une île qui jusqu'à preuve du contraire, n'existe tout bonnement pas. Il y a une histoire de lever de soleil par-dessus des bandes horizontales à l'intérieur du triangle. Le soleil. Je crois qu'il y a du bleu. Je crois que c'est bleu et blanc ce qui reste. Ça fait un peu Estonie. Je crois que je suis étonnamment proche pour un pays de cet acabit. Je crois que c'est à peu près ça. Ouais, ça m'étonnerait pas que ce soit exactement ça. Bon, ça commence déjà très bien. Hein. Ça change de l'Afrique. L'Argentine. Le clair. Voilà. Les Bahamas. Je crois que je l'ai parfaitement en tête. Plus ou moins le même bleu. Triangle noir. Sûr, il y a un triangle. Et je crois que c'est du jaune. Le bleu peut-être plus foncé, c'est pour ça. Peut-être du rouge qui manque. Non, je pense qu'on est pas trop mal comme ça là. Une Barbade. Barbade, je crois que je l'ai très bien en tête aussi. Hein. Je me débrouille vraiment comme un petit chef. Quoique là, j'ai un doute sur le bleu là. Bon, on va d'abord faire ça avec la petite fourchette là. C'est pas du bleu, si. Ou alors un bleu vraiment, vraiment foncé. Je suis quasi sûr que les deux, que droite et gauche, c'est la même couleur. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Oh, la Belize. Oh, non. Bon, le repos ne fut que de courte durée. Ouais, si, ils font leur intéressant. Ils font leurs intéressants, la Belize. Un peu du même tiers que le Turkménistan. Peut-être même pire, je sais pas.
cas, c'est comme ça. Au mieux, t'as une assiette, voilà. Avec deux mecs. Voilà, ils font une petite pause. Ils sont heureux, ils se tiennent par la main. Il y a des petites feuilles autour, là, comme ça. Hop. Et puis, Et un petit chat. Voilà. La Bolivie, bon, j'ai dû la faire à peu près 36 fois accidentellement durant l'Afrique. Non, la Bolivie, c'est horizontal. Avec ces trois couleurs que je hais désormais, qui sont le jaune, le vert et le rouge. Et ça, c'est sûrement la Lituanie en vrai. Hein. Je sais plus ce que j'avais fait pour la Lituanie. J'avais fait quoi? Remonter tout en haut. Non, j'avais pas fait ça. Ah, le Brésil. Losange jaune. Le globe. Après, bon, il y a des étoiles dont je connais la position exacte par cœur. Voilà, il y en a une qui est toute seule, je crois. Et au milieu, il est écrit Ordem et Progresso. Allez, je vais essayer de l'écrire. Ordem et Progresso. C'est exactement ce que j'ai écrit, voilà. Ah. Canada. Canada, Canada. Voilà. Feuille d'érable, et on est bon. Le Chili, bon, à tous les coups, je vais confondre avec le Panama. Comment ça déjà? Non, merde. Oh, le Panama, c'est celui qui est divisé en quatre, là. Non, si je fais un truc comme ça, là, ça c'est Cuba. J'ai envie de faire un truc comme ça, mais ça me semble bien trop proche du Liberia. C'est pas un truc comme ça, le Chili? Oh là là. Et puis, le Chili, c'est pas non plus trop. C'est pas Sao Tomé et Principe, quoi. Le drapeau est assez connu, il me semble. Bon, on va laisser comme ça me reviendra peut-être plus tard. Colombie, voyez, un déséquilibre. Le jaune prend plus de place. Et après, c'est rouge et bleu, il me semble. Dans cet ordre-là, peut-être. Bon, Costa Rica, on va faire l'inverse de ce que j'ai fait pour la Thaïlande. La Thaïlande, j'ai fait le rouge en gros. Donc là, on va faire le bleu en gros. C'est peut-être l'inverse. Je ne sais pas. Hop, hop. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est l'inverse en fait. Voilà, j'ai des gros doutes sur ma vie là. Oh, quand je vois ça là, est-ce qu'il y a un truc qui tique quand je vois la Thaïlande en rouge? Je sais pas, on va laisser comme ça, mais je ne suis pas sûr. Cuba. Cuba, Cuba. Hop, hop, voilà. Trois rayures bleues. Et on est bon. Là. République dominicaine, tiens donc. Je crois que c'est une histoire comme ça. Il y a quatre grands rectangles qui séparent comme ça. Puis un symbole au milieu, un symbole minuscule et illisible. Voilà. Et Dominique, oh là là, il y a un oiseau, il y a un perroquet. Je crois que c'est un fond vert. Après, il y a un rond rouge, voilà, c'est le Bangladesh. Un manchot. Puis il n'y a pas du violet aussi, je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre du violet là. Oh, ça ressemble à rien. Non, 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 c'est horizontal peut-être. Il y a des couleurs bizarres hein, sur la Dominique. C'est sûrement pas ça du tout. Ouais, non, la Dominique, je suis navré, mais l'équateur. L'équateur, l'équateur. C'est jaune. Jaune, bleu, rouge, mais il y a un oiseau aussi. Un aigle. Je crois que l'oiseau il est sur la barre du dessus, je crois. C'est pas ça? C'est pas un truc comme ça? Ça semble bizarre de le mettre au-dessus, mais je crois qu'il est vraiment au-dessus. Hein. Ouais, allez, on laisse comme ça. Bon, les États-Unis. Je crois que. Un truc comme ça. Avec une spirale rose, comme ça. Ouais. Non, quoique, il n'y a pas des. Non, là, j'ai. Non, la spirale, elle est pas rose. Elle est genre cyan, je crois. Ouais, voilà. Ouais, non, je suis assez sûr de mon coup, là. Ouais. Ok, Grenade, il est particulier celui-là. J'ai envie de mettre un contour rouge. Oh là là, la Grenade. Non, 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 non. Le fond est rouge, le contour est vert. Voilà. Puis il y a un losange au milieu, avec des trucs qui se passent dedans. C'est un peu le Brésil, en vrai. Puis, alors je sais que de côté, il y a genre une espèce de. Oui, je me souviens maintenant. En haut et en bas, il y a des étoiles comme ça. Mais ce qu'il y a au milieu, par contre, c'est un mystère. On va laisser comme ça, mais. Guatemala. Hop, il y a du bleu. Puis au milieu, il y a un emblème. Un emblème comme on les adore. Cadran comme ça, avec des. Puis un oiseau, avec des grandes plumes qui tombent. Ouais, bon, on va se contenter de ça. Le Guyana. Oh là 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 là. C'est un triangle.
Je crois qu'il y a une bordure blanche. Enfin, une espèce de Y comme ça. Oula, non, 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 pas de bleu, pas de bleu. Pour le jaune aussi, ça sonne un peu faux. Peut-être une étoile. Non, là, je suis en Afrique, là. Je suis en Afrique, là. Bon. Laissons tomber. Haïti. Haïti s'est séparé en deux. On se croirait au Liechtenstein pour l'instant. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Puis là, t'as un carré blanc très peu élégant. Avec au milieu. Avec des palmiers, là, un truc comme ça. Des boulets de canon, je crois que c'est. On dure assez facile. Voilà. Du bleu, du bleu, du bleu partout. Hop. Et là, ça fait tac, 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 tac. Voilà, une petite quinconce. La Jamaïque. Oh, la Jamaïque. La Jamaïque. Du rouge. C'est une histoire de croix, la Jamaïque. C'est. Ah, pareil, c'est comme pour le Chili. C'est bizarre que je bug sur des drapeaux comme ça parce qu'ils sont quand même assez emblématiques, quoi. J'ai envie de mettre un truc comme ça, là. Avec des. Ça fait un peu africain, mais. Enfin, de toute façon, je l'aurais pas, donc autant passer. Le Mexique. Je crois que c'est vert, blanc, rouge. Je crois que c'est comme l'Italie. Ouais. Et au milieu, il y a un aigle en train de niaquer un serpent, je crois. Voilà, hop. Avec sûrement des branches comme ça, de la végétation. Allez, hop. Le Mexique. Nicaragua. C'est le même format, là, avec du bleu en bas et en haut. Puis au milieu, il y a un symbole. Il y a un symbole. Je crois que c'est un triangle. Un truc dans un triangle, comme ça, là. Avec une part de pizza, là. À moins que ce soit Salvador, ou c'est comme ça? Parce que les deux se ressemblent beaucoup, mais. Pff, allez, on dit que c'est ça. Allez. Ok, le Panama, donc ça, j'avais dit avant. Donc il y a une histoire de séparer en quatre. Non. Bon, l'ordre des couleurs sera sûrement pas le bon, hein. Ouais, bon, l'idée est là, mais je saurais pas discerner entre ça et les autres combinaisons possibles. Le Paraguay. Pouah, c'est un peu européen, ça. Je sais pas si le Paraguay, c'est vraiment ces couleurs-là. Un symbole au milieu qui est un peu qui est très condensé. Ouais, non, je crois que c'est ça en fait, hein. Je crois que c'est ça. Les couleurs sont assez surprenantes, mais je crois que c'est ça. Le Pérou. Hop, voilà. Et au milieu, il y a un symbole que je n'ai pas du tout en tête. C'est un peu comme pour le Guatemala, je crois. Aucune idée de ce que je fais là. Des fleurs, voilà. Cinque Ténévis. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Je confonds toujours avec Trinité et Tobago, mais je crois que pour celui-là, c'est truc comme ça. C'est pas ça? Ou alors c'est ça, Trinité et Tobago? Peut-être des bordures blanches là? Le drapeau me semble cohérent, mais j'ai peur que ce soit Trinité et Tobago. Ouais, non, c'est Trinité et Tobago. Ça sonne mieux là, si c'est écrit Trinité et Tobago au-dessus. Du coup, j'imagine du bleu. Avec. Du jaune. Oh, c'est encore le Cap Vert ça. J'en sais rien du tout. J'en sais rien. C'est une histoire d'oblique, hein, mais on laisse tout comme ça. On laisse tout en plein. Sainte-Lucie. 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 Fond bleu. Je crois que. Ah, au milieu, c'est un triangle. Je crois que le contour est blanc. Ouais, je l'ai assez bien en tête. Après, il y a ça. Et du jaune, je crois. Voilà, ça fait un peu pingouin. Mais je crois que c'est ça, ouais. Moi, je suis assez proche, je suis assez proche. Saint-Vincent et les Grenadines. Alors, voilà. Là, il y a trois petits losanges. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Je crois que c'est de ce côté-là qu'est le vert. Et l'autre, bah, ça doit être du rouge. Ouais. Bah, pour un nom pareil, je crois que je m'en tire assez bien pour celui-là. Donc, Salvador, bah, ça tombe bien, il tombe en dessous de son collègue. Puis, il y a un symbole au milieu. On va faire. Hop, voilà, j'en ai marre. Non, en vrai, je sais vraiment pas ce qu'il y a au milieu. Hein. C'est tellement petit, de toute façon, c'est illisible. Suriname, pente comme ça. Une étoile au milieu. Avec du vert, plus foncé. Et peut-être. Et des bordures blanches? Oh, je crois que c'est ça. Le ton des couleurs est peut-être pas vraiment au point, mais je crois que je suis vraiment pas loin. Ok, bon, ça, on avait vu avant, du coup. Barre oblique noire. Et j'ai envie de laisser un petit liseré blanc là. Quoique, ça se pourrait qu'il n'y ait rien. Non, c'est trop sinistre, c'est trop simple. Uruguay. Alors voilà, petit soleil. Et puis il y a des rayures, je sais pas combien il y en a. Pff. Non, je crois que les rayures, elles touchent pas les bords. C'est un peu bizarre comme c'est foutu, mais je crois que les rayures touchent pas les bords. Quoique, c'est
C'est bizarre. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça touche pas les bords. Mais c'est quand même vachement bizarre comme choix. Bon, de toute façon, ça importe peu, mais. La fin. Non, le jaune n'est pas au milieu parce qu'il y a une série d'étoiles en arc de cercle là. Puis comme elles sont blanches, je pense pas qu'elles soient sur du jaune. Voilà, ouais, c'est assez convaincant. Je crois que je suis bon là pour le Venezuela. Ouais. Ok, ben l'Amérique c'est fini. Et il nous reste l'Océanie. Je pense que je vais enchaîner tout de suite sans faire de pause. Comme ça c'est fait. Et puis ça va pas être hyper long quoi. Il y en a 14. Après tout ce qu'on a fait. Ouais, puis c'est pas non plus les plus compliqués l'Océanie. Quoique, pff, ouais, non, ils sont chauds. Mais comme il y en a moins, ça va aller. Allez hop, on se lance. Ok. Bon. Toute cette série de drapeaux là qui ont toutes. Le drapeau britannique dans le coin là. Oh, pff, ouais, vous savez quoi. Voilà, on est malin, on fait comme ça. Hop, 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 hop. Ta, 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 ta. Voilà. Et puis après, il y a une constellation là, il y a une étoile là. Comme ça, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Fidji, bon, le drapeau de Fidji, il laisse un peu à désirer, hein. Parce qu'on a un fond bleu ciel comme ça. Puis ils ont juste copié-collé le drapeau du Royaume-Uni dans le coin comme ça, sans changer la couleur de fond. Du coup, c'est pas beau, hein, tout simplement. C'est étonnant que depuis le temps, ils aient pas amélioré ça. Voilà, bon. Et il y a un blason sur le côté comme ça. Et il est divisé par je ne sais quelle couleur. Non, pas du noir. Il y a une grande bande au-dessus dans laquelle il y a un lion qui est allongé, je crois. Voilà, ceci est un lion. Puis voilà, Kiribati. Alors, Kiribati, je pense que je peux le faire. Après, il y a des vagues comme ça. Ça alterne bleu et blanc. Là, il y a un soleil. Et là, il y a un oiseau qui vole. Alors, les îles Marshall. C'est un fond bleu. Avec une. Je sais pas si ça part du coin ou pas. C'est ces couleurs-là, je crois. Mais ça me semble bizarre de les faire partir du coin. Puis il y a une grande étoile que je sais pas si elle est jaune ou blanche, mais on va la mettre jaune. Micronésie. Rien de bien compliqué. Voilà. Nauru. Un pays très insulaire. Puis un truc comme ça, là. Puis il y a l'île qui est en dessous. Ouais. On va dire ça. On va dire que c'est ça. Nouvelle-Zélande, c'est un peu comme l'Australie, mais avec des petites différences. Hop, Royaume-Uni. Chaque fois que je le fais, il est de plus en plus moche. Pff, hop, 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 voilà. Les étoiles sont rouges et elles ont un contour blanc. Et je crois qu'il en manque une. Ouais, sur l'Australie, là, de côté, il y en a 5. Et là, ils en ont mis 4. Ça représente la même constellation, mais ils en ont enlevé une pour pas qu'on confonde avec l'Australie, tout bêtement. Peut-être signe qu'il faudrait changer de drapeau, messieurs. Quand on commence à faire des choix pour se discerner des voisins. Voilà. Palau. Les Palau. Avec un joli soleil jaune. Et oui, et le soleil, et c'est pas au centre. Le rond n'est pas au centre. C'est comme pour le Bangladesh. Je sais pas si j'ai pensé à le faire pour le Bangladesh. Ah, j'ai pas dû penser à le faire. Parce que le rond, contrairement au Japon, ben, le rond il est pas au centre. Ils l'ont vraiment mis sur le côté. Je crois que ça sert à ce que, une fois le drapeau qui flotte au vent avec les vagues, ça donne l'impression qu'il est au centre. Je sais pas si ça marche vraiment, mais en tout cas, c'est un peu moche. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas, le drapeau des Palau, il est vraiment moche. Puis là, il y a un oiseau comme ça, qui a des plumes qui vont vers le bas. Voilà, c'est un très bel oiseau. Ouais, je crois que c'est ça. Puis là, il y a la même constellation qu'on voit partout. Ah, les îles Salomon. Ah, tiens, la Sierra Leone. Ça faisait longtemps. Peut-être des bordures oranges, je sais pas, je fais n'importe quoi là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le coin, il y a 5 étoiles comme ça, je crois. Ça, j'en suis quasiment sûr. Mais ouais, bon. Les Samoa. Samoa, c'est tout rouge. Dans le coin, c'est bleu. Ce qui est très bizarre. C'est un peu comme Taïwan, mais je trouve ça très bizarre comme choix. Encore cette constellation, voilà. Les Tonga. Voilà, c'est rouge à plein pot, les Tonga. Hop. Voilà, avec une croix là. Pour un drapeau aussi simple, j'ai quand même envie de bien le faire. Voilà. Hop, hop. Voilà. Bon, Tuvalu, c'est sûrement le dernier de la fratrie des petits-enfants du Royaume-Uni. Je crois que lui aussi, il a un fond qui se marie pas avec le fond du Royaume-Uni. Ouais. Hop, 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 hop. Le blanc, voilà. Pff, ouais, de pire en pire.
Puis il y a des étoiles qui font absolument n'importe quoi, voilà. On a gerbé les étoiles comme ça, elles sont toutes atterries. Et le Vanu Atu. Le Vanu Atu. C'est un truc en Y, mais je crois qu'il est dans l'autre sens pour une fois. C'est rouge. Peut-être du bleu. Ah, j'aurais bien aimé terminer sur un drapeau dont j'étais sûr, mais là pour le coup, il y a un symbole bizarre avec une étoile comme ça. Non, ce bleu-vert, il est bizarre. Ça c'est non, ça c'est l'Ukraine une fois de plus. Bon, on va laisser comme ça. Donc voilà, ben ça conclut cette pure psychose. Non, passe. Je peux pas faire un joli dézoom là pour qu'on voit tout. Et ben voilà, vous pouvez admirer mon œuvre. Ce fut éprouvant, mais rigolo nonobstant. Voilà. J'espère que ce fut éprouvant et rigolo nonobstant pour vous également. Donc je vais mettre le PNG de ça dans la description au cas où vous avez envie de l'imprimer pour l'encadrer, vous moucher dedans, démarrer un incendie criminel, j'en sais rien, mais c'est à votre disposition en tout cas. Voilà, donc aucun propos autre que ça ne me vient. Je suis complètement drainé de toute mon énergie. Voilà. Je...